الحمد لله المعز لمن أطاعه واتقاه، المذل لمن خالف أمره وعصاه، تقدست أسماؤه جل في علاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. لا راد لحكمه، ولا معقب لقضائه وأمره، أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا وحبيب قلوبنا محمدًا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وبلغ الرسالة. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميمين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Sera honoré celui qui lui aura obéi, et sera humilié celui qui aura contredit à son ordre et à son commandement. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est le premier que rien n'a précédé, et le dernier que rien ne succédera. Celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui, et celui qui est plus proche de ses créatures que ne l'est leur veine jugulaire. C'est lui le premier sans début et le dernier sans fin. Nul ne peut s'opposer à son décret et à son ordre. Et je témoigne que notre prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Allah tabaraka wa ta'ala l'aura envoyé comme miséricorde au monde entier, et Allah jalla jalaluh aura ainsi fait que son messager transmette le message qui lui a été confié, et il a prodigué de sages conseils à la communauté, et Allah azza wa jalla aura éclairé les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Oh Allah, évoque-le en bien auprès de toi dans les grandes assemblées, et préserve-le de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde-lui ta bénédiction à lui ainsi qu'à sa noble famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin et son sentier jusqu'au jour du jugement dernier. Ayol Yahwa, avant de débuter cette conférence, un rappel concernant le comportement des musulmans. Alors que nous sommes en train d'apprendre la religion d'Allah et Azza wa Jal, il incombe à Yul Ahbab que les musulmans craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi la crainte d'Allah Jalla wa Ala, dans la présence aux conférences et aux cours et aux muhadarat, le respect à avoir concernant la mosquée et la maison d'Allah et Azza wa Jal, c'est la nuisance que l'on doit éviter concernant notre mosquée. Na'am ayol ahbab, beaucoup de gens malheureusement ne craignent pas Allah tabaraka wa ta'ala. Et concernant cela, il y a le stationnement. C'est pour cela que j'ai encore une annonce aujourd'hui concernant une Clio blanche qui gêne dans le stationnement. Tabarakallahu fikum, le frère qui a une Clio blanche, qu'il la change de place bi'idhnillah azza wa jal, car elle gêne. Et il me voilà ainsi obligé d'interrompre le début de cette conférence à cause de cela. Et le frère bi'idhnillah azza wa jal, qui espère la récompense en Allah, il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas la cause d'une nuisance envers un des meilleurs endroits d'Allah azza wa jal, la maison d'Allah, la mosquée. Ayyuha al-ahbab, venez avec nous afin de poursuivre les propos concernant les événements du jour de la résurrection, yawm al-qiyamah, et de ses étapes, ses tourments et ses afflictions. Et nous avions certes évoqué lors de notre dernière rencontre le jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant ses serviteurs. Et comment est-ce qu'Allah jalla wa ala fera justice entre eux?
Et nous avions parlé également durant cette série quant aux ruinés, le jour de la résurrection, al-muflisoun, ceux qui seront ruinés, wal-ayadu billah. Et certes, la rançon pour payer les injustices ce jour-là, elle sera de bonnes et de mauvaises actions. Et nous avions terminé la rencontre en rappelant qu'Allah tabaraka wa ta'ala jugera les non-musulmans selon la parole la plus favorable des gens de science également. Ainsi, les mauvaises actions des non-musulmans seront présentées à eux. Et Allah les leur rapprochera et il les jugera d'un jugement difficile. Et aujourd'hui, ayol ikhwa, telle est notre 16e rencontre. Parmi les rencontres de cette noble série, silsilatu raqa'iqil quloub, l'attendrissement des cœurs. Après le jugement, ibad Allah, ne pensez pas que les tourments sont terminés. Après le jugement, al-hisab, ne pensez pas qu'il n'y aura ni tourments, ni afflictions, ni difficultés. Mais ils ne cesseront d'avoir lieu. Et ils ne cesseront de se succéder et de s'enchaîner. Ainsi, lorsqu'Allah, tabaraka wa ta'ala, aura jugé entre ses serviteurs, lorsqu'il aura jugé entre eux et que chacun aura récupéré son droit sur la terre de la résurrection, ardul mahshar, Allah, jalla jalaluh, établira pour toute l'humanité entière